Salut les friends, je suis avec Dragunova, cosplayeuse, et j'ai envie de te poser une question, dans quel univers tu cosplays? Parce que là, moi je ne connais pas. Bonjour, alors ça vient de l'univers de Fallout, c'est un jeu de Bethesda, des studios Bethesda, et voilà, il y en a eu 6-7 depuis plus de 25 ans maintenant, ça vient de cet univers-là. D'accord, et pourquoi? J'ai choisi ce costume. Ouais, pourquoi cet univers-là? Parce que tu fais beaucoup de fantasy, c'est ça? Alors, c'est ça. En fait, de base, j'aime beaucoup l'univers un petit peu médiéval, Skyrim, Wooden, voilà. D'accord. Du Bethesda, les jeux de rôle. Ouais. Et je me suis découvert vraiment, en commençant à jouer à Fallout, vraiment une passion pour le post-apo et surtout les peintures. C'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, j'ai adoré ce robot dans le jeu. Et c'est pour ça que j'ai voulu le recréer en vrai. Et qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi t'as envie de faire plus du cosplay? Alors en fait, ce que j'aime beaucoup dans le cosplay, c'est qu'on peut rendre hommage aux personnages qu'on admire, qui nous suivent pendant notre enfance, notre adolescence, et même quand on est adulte. Ouais, ouais. Et en fait, je trouve ça vraiment cool de pouvoir s'évader, et c'est vraiment aussi le processus de création que j'adore, pouvoir voilà, recréer des personnages que j'aime énormément dans la vraie vie, pouvoir les avoir chez moi, c'est vraiment ce que j'aime en fait, et pourquoi je fais du cosplay. Ils sont magnifiques tes costumes. Et pour un costume, combien de temps ça te prend à peu près? Alors par exemple, pour celui-ci, c'est environ 80 heures de travail. 80 heures de travail? Ouais. Évidemment, ouais. C'est pas ton travail. Non, du tout. Je travaille à temps plein à côté et c'est vrai que pour pouvoir faire un costume et s'y tenir, c'est bien de se donner un objectif, par exemple de se dire aujourd'hui, toute cette semaine, je vais en faire 2 heures, ce week-end un petit peu plus. Uh-huh. Vraiment se donner du temps par jour. Et aussi du temps pour soi, pour pas voilà, se faire dépasser par les événements de son travail, de sa vie perso, du costume, et réussir à tout pouvoir, pouvoir tout gérer en même temps. On y arrive. On essaie. On essaie. Fait le max. Tu fais beaucoup de salons? Alors, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Voilà. Après, moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé le cosplay. Voilà, depuis un an, j'en refais un petit peu, donc dans toute la France et après. Ça donc on peut te voir un peu partout. Ouais, voilà, exactement. Et je vous invite à venir la voir parce que c'est vraiment magnifique. Non, mais c'est vrai, le détail et tout, c'est vraiment magnifique. On s'y rendrait presque dans le jeu. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette petite entrevue. Je vous invite à la suivre sur Instagram, Dragunova. Merci beaucoup à toi pour cette. Je m'appelle comment? Moi c'est Sophie. Voilà Sophie, merci d'avoir accepté et puis je te souhaite de faire de magnifiques cosplays. Merci. Franchement c'est magnifique. Merci à toi. Merci. Salut les friends. Ça va?